Ici, nous sommes le lendemain, nous avons passé la nuit un peu plus bas sur le bord du torrent, là où hier soir on a vu ce spectacle des bouquetins en train de se chamailler en haut du rocher. Voilà, et là, on va partir un petit peu monter en balade pour voir si on les revoit ou on voit d'autres choses intéressantes. Voilà. Fait une magnifique promenade. Alors je vous dis pas, au départ ça monte un peu sec. Pour nous qui sommes pas trop confinés en montagne, ça fait tirer la langue. On brûle en ortolan, dit. On brûle en ortolan ici. Je vois des trucs là-bas, posés sur des rochers, je me demande si ce n'est pas des bouquetins. Une centaine de mètres, une dizaine de mâles avec des cornes impressionnantes. Ils ne sont pas du tout farouchés ni rien, ils sont là. Et au moins qu'on ne s'approche pas plus, ils sont habitués à voir passer du monde. Non, vraiment il ne bouge pas. Donc, s'il s'arrête, pas des fois, hein, ce qui peut leur passer par la tête. Hein. Oh, ils avaient raté. Plus pas trop bon, ça. La femme en rouge. Hein. Bonjour. En tout cas, il vient ici. Hein. Alors là, on est comme au Pérou, là-bas, sur l'altiplano. Non, c'est pas de la main, mais du bouquetin. Là, je regarde si je ne vois pas quelques batraciers. Je pensais qu'on devrait pouvoir trouver peut-être quelques grenouilles, je ne sais pas, avec la peau.
Alors ici, il y a quelques jours encore, la semaine dernière, bien, écoutez, il y avait la neige, puisqu'on l'a vu à côté. Et la neige est partie et voilà, des petites jonquilles qui commencent à sortir. J'ai aperçu un genre de lézard vert, mais il est parti par là-bas. Alors vous voyez comment je me tiens, comme un bouquetin, là, je suis comme un bouquetin là. Il voit que la tête là. C'est bien qu'il sorte, qu'il bouge un peu, je sais pas. Et voilà un deuxième qui arrive. T'as vu comment il fait avec les pattes? Incroyable. Alors je sais pas si c'est la femelle qui fait ça, le mâle. Ah, comme il fait le beau l'autre. Qu'est-ce qu'il a essayé d'y mordre la queue ou quoi, je sais pas. Ah, il y est derrière. Hop, le voilà de nouveau. Ah, il a pris la queue coupée. Non, moi je pense que c'est un mâle et une femelle. Hein. Cette balade, cette matinée de balade était riche en images, en observations. Je vous dis à bientôt.